Je me suis entraîné 7 jours comme le meilleur athlète de tous les temps, Usain Bolt. Yeah. Et je me suis lancé le challenge de réaliser un chrono sur le 100 mètres en seulement 7 jours. Ça va être dur. Ah, je vais gerber. Mais le seul souci, c'est que je ne sais pas du tout courir. Oh, ça tire dans les ischios. Je vais donc suivre pendant toute une semaine la diète et le programme intense qui a permis Usain Bolt de devenir l'homme le plus rapide du monde, le tout sans expérience. Je sens qu'on va bien rigoler. Et on va voir si c'est possible d'y arriver et de courir plus vite en moins de 7 jours. Je crois que j'ai pas survivre à cette semaine. Jour numéro 1 et petit déjeuner du Usain Bolt. On va avoir un beau sandwich avec du pain sans gluten, 2 œufs entiers et 2 blancs d'œufs, de la tomate et de la salade. Franchement, il est vraiment big. Comme c'est bon! Usain Bolt aime beaucoup les bols de fruits de saison pour alcaliniser son alimentation. Et là, je m'en suis fait un fraise, pomme, banane. Je vais me régaler. Je sens qu'elle va bien me plaire, cette diète. Usain Bolt accordait une grande importance à son entraînement physique et notamment un muscle en particulier, les abdos. Pour lui, c'est le bloc central de la puissance d'un sprinter. Il mettait un gros focus dessus et les travaillait tous les jours. Du coup, pour me renforcer, je me suis envoyé un bon circuit des familles, comme le faisait tonton. Ça arrache bien. Sans gluten, m'en goûter pour la première fois. Troisième repas du Usain Bolt, on va avoir des pâtes sans gluten, du bœuf, des légumineux avec des petits pois et des légumes. J'ai mis des courgettes et un peu d'huile d'olive pour donner du goût. Je sens qu'avec cette assiette-là, j'ai pété des records cet après-midi. À table. Toi, tu manges pas des pâtes sans gluten? Non, moi ça va. Fini de déconner, il est temps pour moi de faire mon premier 100 mètres de ma vie pour avoir mon chrono de référence et le tout sans entraînement. Je sens qu'on va bien rigoler. Sauf que là, je suis parti de la ligne des 110 mètres et non des 100 mètres. Pourquoi j'ai pas vérifié avant? Du coup, j'ai recommencé et j'ai fait un temps de... 15-21. C'est bien ou c'est pas bien? Oh, ça flingue quand même. Ok, on part de là. J'ai mon temps à battre en fin de semaine. Et point positif, avec un chrono comme ça, je peux que m'améliorer. Je me suis envoyé ensuite des exercices pour améliorer mon sprint avec un travail de pied dans tous les sens. Et honnêtement... T'as pas l'habitude, c'est vraiment dur. Puis j'ai fini par de la pliométrie plus classique, box jump, step up et du renfort du mollet pour gagner en puissance. Et il va m'en falloir. Les entraînements sprint ça fume, j'ai les ischios et les mollets en feu. Ouh, oh, ça va être dur cette semaine. Oh. Après un bon entraînement ça passe bien. C'est vraiment trop bon. Dernier repas du Usain Bolt, on va avoir du poulet avec une épice, le curcuma, épice anti-inflammatoire par excellence, je te la conseille. Des carrés céréales sans gluten avec des légumes. Bon, lui, c'est goût poulet, bon, il n'est pas trop au supermarché, désolé. Et bien sûr, je te le présente plus, les brocolis. Pourquoi ils mangent tous des brocolis? J'en peux plus. Trop, c'est trop, là. Vive les brocolis. Usain Bolt était jamaïcain, du coup, avant de se coucher pour récupérer musculairement, il s'est envoyé un bon gros... Moment sponsor de la vidéo, on remercie la marque qui sans elle, cette vidéo n'aurait jamais eu lieu. Et j'aurais pas pu me détendre comme Usain Bolt de manière légale. Golden CBD, la première marque en France de CBD 100% légal et bio. En gros, c'est la Dutch qualité du CBD chez nous. Le CBD, c'est quoi? C'est un déstressant naturel qui va t'aider à récupérer musculairement, diminuer ton anxiété et t'aider à mieux dormir. Et quand on est sportif, c'est plutôt pas mal. Même mon chien, il en prend pour réduire ses angoisses. Je te jure, c'est vrai. Perso, ce soir, pour récupérer musculairement après ma séance de sprint, j'ai dit ce qu'on fait. Je m'envoie une petite tisane au CBD. Ça sent bon. Oh, c'est chaud. Si tu es intéressé par le CBD, tu as à disposition mon code promo TOM qui t'accorde 25% sur tout le site. Et si tu as d'autres questions, tu vas voir directement sur leur Instagram. En plus, ils répondent vite. Bon, sur ce, à la tienne. Je sens que j'ai bien dormi ce soir. Usain. J'ai analysé la technique de course de tonton pour m'en inspirer et je remarquais un petit truc, ma façon de courir n'est pas du tout adaptée au sprint. Je sais pas toi, mais je ne cours pas sur l'avant du pied comme le font les sprinteurs, mais sur l'arrière du pied comme quand je fais un footing. Et d'après ce que j'ai vu, cette attaque est primordiale pour être rapide. Du coup, il fallait que j'apprenne ça tout de suite. C'est parti. Après plusieurs essais, ça passe. Et effectivement, ça fait la diff.
je me sens beaucoup plus rebondir sur le sol. Ça va me faire gagner du temps. J'ai aussi changé deux chaussures pour des plus plates comme les sprinteurs et j'avoue, ça aide pas mal. Et j'en ai profité bien sûr de bosser encore sur mes gammes pour renforcer mon sprint et ça rage toujours autant. Tonton Bolt s'entraînait aussi en salle pour performer sur les terrains et aujourd'hui c'est travail de la puissance. Et je sens que ça va bien piquer. C'est parti. C'est parti. Wow. N'empêche, ça échauffe bien la cheville et le genou. J'adore les leg extensions. Squat sur Bosu. Est-ce que tu l'as déjà vu ça dans un programme? Bon, la première étape, c'est de se mettre sur les Bosu. Je sens que c'est pas gagné. Ah, petite pause. Et on pousse. C'est vraiment très chaud. Ah, oh, putain. Oh, j'ai jamais vu un exercice aussi dur. J'aime trop. Ah. Si tu fais du sport, que tu transpires pas et tu marronnes pas, ça sert à quoi? La squeeze press. Est-ce que c'est surcoté à ton avis? J'en ai jamais fait. Par contre, c'est pas pratique à mettre. Ouais. Je sens que ça se travaille bien la hauteur des pecs là, à ce niveau-là. On dirait que je fais du crossfit. Je suis content de faire cette vidéo. J'ai toujours été passionné par Usain Bolt, depuis la fac. On étudie son sprint à l'école, manière énergétique, etc. Mais bref, moi je préfère le concret là. Allez. Bon, bien sûr, l'accent est mis sur la vitesse, hein. On n'est pas sur du strict. Ça fait du bien de bombarder un petit peu comme ça. Alors celui-là aussi, le good morning, c'est un truc que je fais jamais. On va croire que je m'entraîne jamais à force de dire ça. Oh, ça tire dans les ischios. Ah, putain, l'étirement. Oh. Je sais pas si c'est bon d'étirer des courbatures, hein. Oh. Bon, on va finir la séance par 15 minutes d'abdos. Voilà, j'ai rien à ajouter. Ah. Oh, il fracasse cet exo. Oh. Oh putain, ça fracasse. Oui. J'ai jamais aussi mal aux jambes. Elles sont feu. Ça va être dur. Faut continuer. Juste le temps de faire le plein d'énergie avant de m'envoyer une énorme séance du Usain Bolt sur terrain pour travailler mon accélération au départ avec des sprints lestés et sur gazon pour ensuite devenir meilleur sur la piste. On commence avec plus 10 kg. Là, je fais 93 kg. Je crois que c'est le poids du Usain Bolt, non? Je sens que ça a bien piqué. T'es mal, accélération de dingue. J'ai l'impression de peser 300 kg. Je vais laisser mes jambes. Étape supérieure, plus 20 kg. Comment on l'attache déjà? Oh putain, avec ces conneries, je me suis déjà fatigué. Oh, je vais gerber. Du bien. Je crois que je vais faire 7 jours comme CR7 bientôt. Si ! Je me suis vraiment envoyé comme un bourrin et je te mets la séance complète juste ici. J'ai jamais eu autant de courbatures au mollet que depuis que je cours sur l'avant du pied. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'aime ça. J'ai vécu tant d'années dans l'ignorance. J'ai fini cette journée comme il se doit sur une grosse session abdos sous la pluie avec mes exos préférés histoire de bien me les fracasser. Et Tonton Usain a raison, des abdos forts et solides, c'est vraiment la base de tous les sports. Donc même si j'avais bien mal de la veille, j'ai fait le job. Bon, j'ai pleuré mais ça allait. Deuxième séance en salle de Tonton avec bien sûr un accent sur les jambes et je t'avoue, ça commence à piquer. Oh, chiqui blanc. Mais pas le choix, faut que je me renforce si je veux progresser sur le 100 mètres. J'ai dit ce qu'on fait, vivement que ça se termine. Ça pique!
crois que j'ai pas survécu à cette semaine. C'est l'enchaînement là qui fait mal. C'est pas la séance, c'est l'enchaînement de tout là. Allez encore. Ah comme c'est dur sur le Swiss ball. Je travaille les fesses en même temps encore. C'est ouf. Il y a un gros travail au niveau des abdos, des fesses. Et j'ai l'impression d'avoir mis 50 kilos en haltère. Et on va se finir sur des abdos. On adore ça les abdos. Eh oui. Encore. Séance terminée. C'était pas mal. Pour gagner en puissance au niveau des jambes, j'ai trouvé la solution. Méthode extrême mais efficace pour travailler sa vitesse et technique de course. Ça rend mes sprints bien plus durs en me forçant à envoyer tout ce que j'ai pour suivre la voiture. Je me sens de mieux en mieux et je commence même à prendre du plaisir. Je confirme, ça marche bien. Honnêtement, je me suis bien habitué à sa diète. Pourtant, je suis pas intolérant au gluten, mais je me sens mieux, moins ballonné. La digestion, elle est beaucoup plus rapide. Par contre, ces carrés aux légumes poulet, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Du coup, j'ai remplacé par les pâtes. M'en veux pas. Allez. Voilà. Tu me réponds pas? Hein? Alors aujourd'hui, c'est sprint sur sable. On va augmenter la difficulté. Et avec un petit joujou. Bon, on va essayer de l'ouvrir. Hein. En vrai, ça va, je m'attendais à un truc plus gros. Ah, ça fume! Je croyais que le sprint lesté, ça fumait bien. Mais avec le parachute, c'est 100 fois pire. Je crois que je vive comme ça avec mon parachute pour le reste de ma vie. Je te jure, ça fume trop. Mais c'est trop bien. J'ai envie de recommencer. Ah, putain! J'ai l'impression de courir au ralenti. J'ai poursuivi sur du physique en utilisant des bandes de lest pour travailler mon explosivité et les mountain climbers avec, c'est vraiment génial. Puis le dos avec des tractions, bon là j'avoue, je me suis fait plaisir, elle me manquait trop. Donc j'en ai profité. Sans oublier le bas du dos, très important aussi dans l'extension de hanche sur le sprint pour être solide et fumer tout le monde. Et du renfort des abdos avec un truc bien intelligent. J'ai continué jusqu'à encaisser et après coup, je me demande si c'était vraiment nécessaire. Michel ! Jour de récupération avant le test final, j'ai fait quand même un peu d'abdos histoire d'eux, mais j'ai rarement eu les jambes aussi en feu. Du coup, je me suis envoyé quelques exos légers pour faire circuler, plus des bons massages du kiné en récup. Et j'ai fini par un bain presque froid où je me suis focus pour visualiser mon objectif de demain. Je suis prêt. Ça y est, on y est, c'est le test final. On va voir les résultats de mon entraînement. Est-ce que je me suis amélioré? Suspense. Ça sera le premier départ qui sera le bon. Usain Bolt quitte en action avec Thompson qui est parti très vite. Usain Bolt qui fait l'effort. Usain Bolt au plan olympique. Attention, chrono. Il a levé les mains. Thompson va plus du monde. Et il a levé les mains. Tu fais combien? Yes. Ah, je suis content. T'avais l'air d'un gag ou pas? Un peu, mais bon. Je sens vraiment l'ischio. Il est à bout là. Ça fait 7 jours. Même le jour de repos d'hier, c'était pas suffisant. J'étais vraiment à bout de force. Ah, ça fait du bien. Bon, allez, on va faire le bilan à la maison. Bon, en vrai, je me suis vraiment déchiré l'ischio. Et à 2 mètres de l'arrivée. Si près du but, c'est con quand même. Mais ça valait bien ces 15 jours de rééducation puisque j'ai battu mon propre record de 2 secondes. Yes! Oui, ça valait le coup. Bon, ok, je suis pas encore un sprinter, c'est pas un 7 jours que, mais pour quelqu'un qui est vraiment pas doué dans ce sport, c'était inespéré. Et je suis plutôt content. Un tir de soi, c'est bon quand même. Heureusement que t'as progressé, t'as vu le chrono de merde que t'as fait au début. Bon, mais ça va pas, non? Concernant les entraînements, j'ai trouvé ça très costaud. Les séances de muscu couplées aux séances de sprint, je te laisse imaginer les douleurs que j'avais. Les courbatures de dingue. Mais bizarrement, j'ai adoré avoir mal aux jambes. Mais c'est fou ça, cet amour pour la violence. Je vis pour ça. Et niveau diète, rien à redire, aliment anti-inflammatoire idéal pour faire le plein énergie. Et même si je suis pas intolérant au gluten, c'était vraiment agréable quand je faisais... Oh. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, t'abonner, voire même de partager. Tu sais très bien que ça aide énormément au développement de la chaîne. Et tu me dis en commentaire ton prochain 7 jours. Sois gentil s'il te plaît.
Bon, je sais que tu le feras pas, t'adores me voir souffrir. J'adore ma vie. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Si je passais aux 200 mètres, j'ai encore un disque sur deux, ça devrait aller, non ?